Nous tenons toujours à ajouter à notre présentation du Valais les cinq points suivants qui sont dans notre position en ce qui se concerne les limitations des frontières électorales. Premièrement, la part de la Commission et réitère son appréciation pour son rapport premier et intérieur qui, suivant les règles des termes de référence du rapport final du Sénat-Crédit, voyait préserver les circonscriptions protégées de par vivement et personne. Les termes de référence du rapport aident clairement que deviation from comparative or defined may be justified in consideration of Nova Scotia's linguistic and cultural diversity, in particular the province of Acadian and African Nova Scotia Republic. Deuxièmement, la part n'accepte aucunement le deuxième rapport qu'elle ne considère pas légitime puisqu'elle ne peut être considérée comme ayant été produit par la commission indépendante. Troisièmement, la part juge également légitime des audiences où la commission n'est pas représentée par tous ses membres, mais est visée pour permettre la tenue d'audience simultanée en deux lieux, comme c'était le cas hier à Guernsey-Halifax et aujourd'hui à Bridgewater et Point-Cruz. Quatrièmement, la part revient à sa position initiale qui est de garder le statu quo pour les circonscriptions acadiennes de Clare, Argyle et Richmond. Quatrièmement, la part explore présentement la possibilité d'entamer des procédures judiciaires pour